Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Visite officielle du ministre centrafricain de la Défense, Joseph Yakété, au Cameroun. Un séjour motivé par le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Fin de la 18e édition de la FIARA au Sénégal, une foire internationale de l'agriculture qui souffre d'un manque de médiatisation selon les participants. L'Afrique face aux défis environnementaux, quelles sont les solutions envisagées par les pays du continent africain pour faire face au changement climatique? Élément de réponse dans cette édition. Le ministre centrafricain de la Défense a entamé depuis ce lundi 17 avril une visite officielle au Cameroun, une visite qui devrait permettre à la Centrafrique de s'imprégner de l'expérience camerounaise, notamment dans le domaine militaire, en vue d'un renforcement de coopération. Corinne Camden. Le ministre centrafricain de la Défense nationale, Joseph Yakété, est arrivé au Cameroun pour une visite de travail ce dimanche 16 avril. Au programme, une séance de travail avec son homologue camerounais, Joseph Betty Assomo. Une visite dont la finalité serait de mettre sur pied une armée républicaine en Centrafrique. L'armée est la base fondamentale de l'expression régalienne de l'État. Si un pays n'a pas d'armée, il peut très difficilement commencer à assurer sa propre sécurité pour pouvoir déjà obtenir les autres séquences d'une structure normale, la justice et tout le reste. Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun a un minimum de savoir-faire qui pourrait permettre, dans une brève échéance, de mettre sur pied une armée nationale en Centrafrique. Les deux hommes devraient également aborder la problématique des bandes armées centrafricaines qui sévissent au niveau de la frontière entre les deux pays. En effet, les incursions qui leur seraient attribuées en territoire camerounais se soldent souvent par des prises d'otages, des actes de banditisme et des trafics. Des attaques qui portent préjudice aux populations de la région de l'Est du Cameroun notamment. Mais de la sécurité de cette partie de la sous-région Afrique centrale, que celle-ci soit stabilisée et je crois qu'une attention particulière dans le cadre d'une collaboration et d'une coopération bien faite pourrait être favorable, n'est-ce pas, à la sécurisation transfrontalière. Le ministre de la Défense, Joseph Yakété, séjournera au Cameroun jusqu'à mercredi 19 avril. Les autorités des deux pays voisins comptent bien en profiter pour apporter des solutions aux principales problématiques sécuritaires qui les concernent. La Centrafrique a justement appris le 12 avril que les troupes ougandaises se retireront de l'est du pays dès le mois de mai. Les troupes ougandaises qui sont engagées depuis 2009 dans la lutte contre l'armée de résistance du Seigneur aux côtés des forces centrafricaines. C'est un sujet de la rédaction. Fin de mission pour les troupes ougandaises en République centrafricaine. Le 12 avril 2017, le commandant des troupes ougandaises a annoncé le retrait de son contingent dans la ville d'Obo, à l'est de la Centrafrique. Depuis 2009, les forces ougandaises y sont déployées sous ordre de l'Union africaine pour lutter contre les éléments de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Des rebelles qui ont fui l'Ouganda pour se réfugier en Centrafrique, où ils commettent des exactions sur les civils. Nous avons réduit l'effectif des éléments de la LRA à moins de 150 hommes. Bien que Joseph Kony ne soit pas encore arrêté ou tué, nous nous réjouissons du travail battu. Le gouvernement ougandais a fixé la date butoir du retrait de l'armée ougandaise au mois de mai prochain. Aucune précision sur le calendrier du retrait n'a été donnée. Le retrait des troupes américaines annoncé pour le 25 avril et celui des troupes ougandaises attendu pour le mois de mai marque un certain échec à mettre la main sur le chef rebelle ougandais longtemps recherché, Joseph Kony, ce qui inquiète les autorités centrafricaines. L'État centrafricain est une autorité vacillante. Pouvoir en place à Bangui, il ne s'est pas encore suffisamment cristallisé. Ne dispose pas de moyens de monopole du contrôle sur le territoire officiel de cet État et donc il est tout à fait probable que dans les mois et les années qui viennent, la Centrafrique retombe dans un processus fort de déstabilisation. Ces trois derniers mois, une dizaine d'enlèvements et plusieurs attaques ont été attribuées à la LRA.
Le 26 juillet 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies réajustait le mandat de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, jusqu'au 15 novembre 2017. Depuis septembre 2015, plus de 10 000 casques bleus sont déployés en Centrafrique, mais malgré cet effectif et l'arrivée au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra en mars 2016, après 3 ans de crise politique, la situation sécuritaire du pays peine à se stabiliser. Également dans l'actualité, le Bénin veut redynamiser le secteur de l'énergie. Le pays vient de recevoir un appui financier d'environ 16 milliards de francs CFA de la part de la Banque africaine de développement. Cette enveloppe devrait permettre au pays de disposer immédiatement d'une capacité provisoire additionnelle de 310 mégawatts. La 18e édition de la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animalières, a pris fin ce dimanche 16 avril à Dakar, au Sénégal. Un rendez-vous annuel qui manque d'exposition médiatique, selon les exposants, alors que l'agriculture emploie près de 65% de la main-d'œuvre en Afrique subsaharienne. Ella Djenjaï. La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales a pris fin ce dimanche 16 avril. Ouverte depuis le 26 mars sur l'esplanade du Centre international pour le commerce extérieur, l'édition 2017 de la FIARA, portée sur la solidarité, levier économique et social dans un pays émergent comme le Sénégal. Ici, au stand de Maïbra Diagne, différents moutons étaient exposés, mais très peu ont été vendus. Exposé à Maliubari. J'ai exposé différents moutons cette année, comme le Roi 102, Washington, Helcom ou encore l'écran. Ces moutons sont de grande qualité et coûtent assez cher, et je n'arrive pas à les écouler. Lors de l'édition de l'année dernière, nous avons réalisé de meilleures affaires. J'ai été déçue parce que ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout. Le pourquoi, je ne sais pas. Franchement, l'année dernière, on était un peu déçus. On se disait que peut-être cette année, il y aura une petite amélioration. Mais là, c'est pire que l'année dernière. Il n'y a pas de clients, il y a beaucoup de marchandises. On risque de ressortir avec et puis on a beaucoup payé et on risque de passer à côté. On risque de perdre vraiment. Si certains commerçants ne se frottent pas les mains, tel n'est pas le cas chez les vendeurs de riz. Ils se sont rassemblés autour d'un village dénommé Riz du Sénégal. Les acteurs arrivent à vendre aux particuliers, aux ménages, aux commerçants, mais nous souhaiterons avoir plus de demandes pour que la totalité de la production de la vallée du sud et du centre soit écoulée. Cette année 2017, quelques 1000 exposants en provenance d'une vingtaine de pays étaient présents à la FIARA. Selon ces exposants, les petites foires organisées un peu partout à Dakar et surtout la faible médiatisation de l'événement ont négativement impacté la vente de leurs produits. Sur les questions environnementales, l'Afrique fait partie des zones les plus sensibles face au changement climatique. Plusieurs solutions existent pour financer la lutte contre le changement climatique. Quelles sont-elles ? Éléments de réponse avec Maria Madrami. Les effets du changement climatique se font déjà ressentir sur le continent, notamment le phénomène El Niño qui touche l'Afrique australe. Sans attendre les financements des Nations Unies, plusieurs pays africains ont décidé de lutter contre le phénomène. C'est le cas du Rwanda. Le pays a lancé son Fonds vert pour le climat, une initiative destinée à préserver l'environnement tout en créant de l'emploi. Quand on nous parle de fonds verts ici, là, c'est vrai qu'ici, là, on est dans une problématique, c'est-à-dire qui concerne la revalorisation des déchets sur toute la filière. Cette revalorisation des déchets a pour avantage de créer des emplois chez nous en Afrique et surtout de préserver, si vous voulez, la population. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand vous avez des produits électroniques, ces produits électroniques-là, vous avez des matériaux qui sont des matériaux nocifs qui sont contenus là-dessus. Donc les recycler, ça contribue déjà, un, à créer l'emploi et deuxièmement, à sauver, si vous voulez, à préserver la santé de la population. Préserver l'environnement, un leitmotiv du gouvernement rwandais et son engagement en sa faveur à travers ce fonds vert pourrait inspirer les autres pays du continent. Un pays qui, depuis quelque temps, nous étonne positivement, agréablement et devient un modèle, vraiment un modèle innovant. Et sur le fonds vert, une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que la conférence de Copenhague en 2009 avait statué sur un fonds vert international, mais le Rwanda n'a pas attendu justement qu'il y ait
ces fonds verts adressés aux pays africains. Ils ont créé leur propre fonds vert. Et leur propre fonds vert, à la fois, protège leur environnement, préserve la biodiversité, crée des emplois locaux. Lancé fin 2011, le Fonds vert pour le climat a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider les communautés vulnérables à s'adapter aux impacts déjà ressentis des changements climatiques. En attendant sa concrétisation, des pays comme le Rwanda ont déjà commencé à développer une résilience en simulant les écosystèmes existants et les ressources naturelles disponibles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.